Bon ben salut à tous, donc on va vous commenter donc la vidéo donc de Smiling et de Newf. Donc c'est un duel fratricide entre Parisiens. Donc voilà, donc à l'Open de Bordeaux. Donc moi je suis Rabin, pour ceux qui me connaissent, et puis bon, si vous me connaissez pas, bah, vous apprendrez à me connaître. Et ben il y a mon pote, donc je vais laisser se présenter. Ouais, mais moi c'est SDX, toujours du City Grid de Bordeaux. Donc comme Rama vous l'a dit, on est là pour commenter les parties, on va dire, de l'arène fratricide entre Smiling et Newf. En fait, c'est un petit truc qu'on a à Bordeaux, on arrive à pirater les programmes, on a fait ça dès les premières rondes. Ils sont venus à deux Parisiens, on les a parés ensemble, donc un peu comme des cochons d'Inde qu'on aurait affamés pendant plusieurs jours, on les a jetés dans une boîte pour qu'ils s'entretuent et que ça passe plus le point pour les Bordelais. Voilà. Et on a une petite guest star avec nous là, le plus grand joueur au nombre de points, qui va être Allez, 67e mondial, présente grande grande toi. performance internationale, respecté sur les forums Steamhack et tout, membre 3 étoiles, Kinder du City Grid de Ouais. Bordeaux. Non, non, mais une partie sympathique. J'étais à côté justement quand j'ai joué à côté quand ils l'ont fait la partie Smiling et Newf, et c'était assez amusant à voir. Ouais, je vais vous laisser, on va vous laisser découvrir, mais c'était bien fun. Non, parce que là on parle, mais les gens ils ont plus envie de voir les Parisiens ouais, se ils n'ont latter pas entre envie eux. d'écouter nos conneries. Voilà, donc donc. on va commencer la vidéo. Donc sur la gauche c'est Newf et son tapis de fanboy là. Team Covenant. Ouais, donc équipe très active parce qu'elle a son blog et qui joue à beaucoup de LCG. Sur la table du Canada, je crois, c'est ça? Son canadien, non? Je ne sais pas. Aucune idée. Non? Bon, mais voilà, mais c'est des gars, en tout cas, ils sont pas du coin, en tout cas. Enfin, pas du City Grid de Bordeaux, en tout cas, on les a pas vus. Ou Kebab, ou Sainte-Catherine, on les a pas vus, non. Voilà, Et donc donc... ça, c'est un match, normalement, il me semble, des tops, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ça ouais. doit être C'était le premier match des tops, premier, parce que c'était ouais. Newf Newf avait avait fini, fini. voilà, Ouais. le premier jour, donc voilà. Exactement, et Smiley était rentré par la petite porte, Ouais, voilà, suite ouais. Fubar qui À était l'abandon, 8ème et ouais. Fubar pouvait pas jouer le dimanche donc, ouais. Voilà. Donc Smiling est rentré. Après, bon, ça se trouve, il a dû rentrer, mais bon, ça se trouve, c'est une combine encore de Smiling, parce que bon, on le connaît pas Bah. encore très bien, mais bon, on a bien peu le bonhomme quand Ouais, même. il a peut-être dû menacer. On sait pas ce qui s'est passé entre Fubar et Smiling, mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, Smiling est rentré dans le top 8 le deuxième jour. Inextrémiste. Ouais. Alors là, Bon, ça. c'est vrai qu'un gros Ouais, top 8, bah. on était 20 et Ouais, puis bon, c'est sympa pour lui, du coup ils sont venus avec deux Parisiens, ils jouent tous les deux Voilà. top 8 le Il est tout lendemain, c'est content. cool. Ah, c'est vrai que c'était un peu Noël pour lui, Ouais, ouais, puis il était ouais, content, et il me déjà, semble que c'était son premier j'ai top fait 8, mon top. ouais, il était plutôt C'est vrai, heureux, qu'en plus il arbitre souvent, si j'ai bien compris, donc c'était cool de pouvoir jouer. Ouais. Voilà. Bon, bah du C'est coup, parti, bon, Alors, enfin, parce là, qu'on commence un peu à s'endormir. il y a un indexing en tout cas en game, j'ai vu. Ouais. Mais ouais, j'avais joué contre lui, il m'a balancé son indexing parce que je jouais NOH aussi là. Ah, attends, qu'est-ce qui Comme se passe? tout. Pourquoi Newf pioche? Ouais, il y avait Il un wraparound, je crois, qu'il a pioche reposé Alors, sur y le a... dessus faut de pas sa R&D. Ah, c'est peut-être le temps qu'il discutaille ou je sais pas. Enfin, en tout cas, il Ah. a fini par le piocher, j'imagine, mais voilà. Ah, Alors, Jackson, ah, c'était Jackson. pour lui. Ah, Voilà. c'était le temps de lancer les chronos peut-être. Ok. Alors, très respectueux du règlement à Bordeaux. Hein. Il a dû mettre son. Bon, je pense qu'il voit trois tacles comme j'ai commencé leur partie et que les Parisiens qui respectaient ça. Normal, il Ah, ça pioche. faut pas le dire. J'ai cru voir un close de Oh, coup, c'est pas grave, c'est peut-être. passé maintenant. Ouais. Voilà, Ouais, normal. Desperado. Ça, c'est un bon départ. Bah, surtout quand En il a les crime, en crime contre un nuage. Ben, même Ça, en, ouais, c'est en Gabriel, donc Desperado, c'est GG. il force le reste Il du se passait quoi round. Il reste. Il a run Ouais, ouais. HQ. Donc, il force HQ, le il reste y avait du un round. Enigma, j'ai vu. Ouais. RLE, ouais. Là, on a Delicast. Ouais, par contre, il a des glaces sympas parce que Il joue une Garden Blade, d'accord. il a pioché, il a donc Wraparound sur HQ, il a pioché Enigma, donc s'il la met sur Ouais. RD, ça oblige Ouais. Smiling à avoir les deux breakers. Ouais, si il va, perdre du Ah, temps. non, par Ouh, il y a un rollback là. Oh Oui, putain, ça y est, les mecs, je me sens en finale du championnat du monde, ils font n'importe quoi, les mecs. Hein. Ouais, je pense qu'il avait oublié le quatrième clic de Smiling, du coup. Et du coup, ils font n'importe quoi parce que ça se trouve, c'est même Gap qui a commencé la partie. Ils savent même pas qu'ils étaient filmés en fait, ça se trouve. Ouais, c'est un peu claqué quand même aussi. Hein. Ça doit le faire. Oh, claqué. Ouais. Pour le matin. Hein. Bah, c'est le matin à midi donc. Pas la C'est fin de journée quand même. Et les Parisiens, c'est les petites poules, Oh, pareil. oh, Oh oh là direct. là là, petite Mais non, bite. pourquoi Ah, le tu joues mec, pas ça? peur. Ok, d'accord. Non, mais ils se connaissent très bien, je pense. Ouais, Ouais, je pense qu'ils ils avaient connaissent, des decks, quoi. je pense, limite en miroir. Donc. Mais je pense, ouais. Ouais. Alors, ça va être sur le Newf là. Il a checké sa petite carte qu'il a posée en Bah là on imagine qu'il y a Enigma sur la RD, donc le Wraparound, faudrait qu'il ait un petit corridor pour pouvoir proc un peu la capa de Voilà. Gabriel pour que ce soit intéressant. Ça crée des serveurs. Très très bon move. On voit le joueur de qualité qui pose une glace pour créer un serveur. C'est quelque chose que. On pose l'agenda ou la set, on crée un serveur, mais les gens ne le savent pas forcément toujours. C'est on pose une glace, on crée aussi un serveur. Et donc on pioche avec la capacité de la NH.
sont trop forts cette période. Ah, tata, non, ah là, là, ça, ça rigole pas. Là, après, je suis en train de la prendre à jouer, les gars. Après, faut pas se manger les couilles, cette glace, après, ah, elle ça, te manque ailleurs. Le top deck de Cathy, pas mal. Ouais, pas mal, voilà. Voilà. Donc ouais. Économiquement, je pense qu'il va être bien. Là. Il... Bah, ouais, il va être bien, mais il va rester passer pendant 5 tours. C'est possible. Il va falloir des breakers. Je pense qu'il connaît bien New, du coup, il doit avoir peur du Scorch, à mon avis. Attends, il y a la carapace. Il a DSP, donc quand il va runner. Je pense que ça attaque. Donc ça là il a pas trop de choix, il est obligé d'y aller parce que si c'est un astro derrière une petite glace c'est tout de suite beaucoup plus tendu la partie. C'est marrant parce que là j'ai l'impression que c'est plus le runner qui s'est installé que la corp. Ouais, voilà, c'est un peu vrai. Bientôt c'est la corp qui va commencer à runner. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Il poste le tus field. Ah ouais d'accord. Ouais, donc là à mon avis c'est une tentative de scorage d'astro, je pense. Ouais, je pense aussi. Alors part du principe qu'il a pas d'inside job. En tout cas, c'est cool d'avoir mis le tusfil. Après, il y a la Guardian Blade. On a vu la Guardian Blade. Ah ouais, du coup, il joue pas avec Yogg. Je pense qu'il va. Est-ce qu'il serait prêt à retirer l'argent? Il run RD. Ah, c'est le Quandry, c'était pas un Enigma, c'était un Quandry. C'est quel programme la canette fantôme? Ça a 2-2 MU. Ça break la soif, non? Ouais, ça break la soif, voilà. Ah non, attends, mais non, mais il run pas finalement, il run pas sur le remote. Alors si c'est un Astro, il va scorer Astro. Ou c'est une Sansan peut-être? Non, mais c'est. C'est en train de faire de n'importe quoi. Non, mais il faut qu'on commente une game parce qu'on s'est pas préparé avant de commenter la game, on la découvre avec vous là, mais en fait ça se trouve cette partie ils sont en train de faire n'importe quoi. Non mais pourquoi il a. Je comprends pas trop pourquoi il a rêve le Lotus Field si c'était une Sansan, parce que dans tous les cas il pouvait pas passer. Enfin s'il pouvait pas la tracher c'était un. Non, mais je fais partie du jeu. Je sais pas. Il faut pas lâcher l'info, à mon avis c'est quelque chose de. Ah ou alors c'est un scoop peut-être il ouais scoop peut-être un scoop ouais. Il va vouloir attendre un peu de Cathy de l'argent ou je sais pas. Non mais il a récupéré de l'argent sur Cathy. Et voilà. Donc là ça risque d'être l'attaque. Là, bah il va la poser à un moment, sa Guardian Blade. Est-ce que c'est un juste nerf, vous pensez? Ah non, il va l'installer. Il s'installe. Pénard. On prend son temps, on n'est pas pressé. Vous pensez quoi de Mister Lee, vous? Mais en fait, j'ai découvert ça moi au cours du tournage contre New, puis je trouvais que c'était très fort. Parce qu'il a fait quand même le tour de son deck au moins 3 ou 4 fois. J'exagère à peine. Donc je pense que ça lui permet d'avoir ce qu'il veut. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Guillaume. Je sais pas si tu le joues toi maintenant. Moi, alors, je le joue pas en Andromeda parce qu'en fait, tu commences avec 9 cartes au début et du coup, voilà. Oh le scoop. Oh, attends, est-ce qu'il veut scorcher? On n'était pas mauvais, quoi. Ouais. On était pas mauvais. Bah, il a pas. On avait lu clair dans son jeu. Ah non, il a trashé Mister Lee. Ah d'accord, ok. Ouais, ah, du coup, moi perso. Pas Cathy par contre. Putain, c'est tendu ça parce que Cathy c'est quand même. Oh là. Oh là là. La punition directe. Alors là, ouais. Est-ce qu'il y a Jackson? C'est la question. Ah, c'est possible, effectivement. Ah, c'est que si il y avait Jason retourné, ça serait bien marrant quand même. Ah, du coup, je me mets du bien. Du coup, il a validé son. Il y en a un dans la main, je crois. Il a validé son scoop, mais sans rien faire en fait. Nous, il a pas venu close the code. Il a pété un Mister Lee. Ah, il a pété un Mister Lee. Il a pété un Mister Lee. Le token est Mister Lee. Ouais, parce que. Je sais pas 4, tu pètes une ressource. Ouais, mais je sais pas si j'aurais pas cassé la. Ouais, moi j'aurais peut-être viré la Cathy en fait. Je sais pas combien il en joue des Cathy, mais je sais que New, par exemple, il en joue qu'une. Donc après, s'il a plus sa Cathy. Peut-être que Smiling en a deux, mais c'est vrai que le temps, de toute façon, qu'il la retrouve, pour New, il gagne du tempo. Je sais pas, au niveau. Ouais, moi j'aurais peut-être racheté, je pense, la Cathy aussi plutôt que Mister Lee après. Bon, c'est peut-être une erreur. Elle était vide, d'accord, mais. Je sais pas. Bon, c'est. Ouais, je pense que. Non, et puis c'est vrai qu'on n'est pas trop habitué aux Chinois sur. Sur Bordeaux, donc on connaît peut-être pas le potentiel de la carte, mais qui commence à rentrer dans les decks d'ailleurs, justement suite à cette découverte. C'est bien ça quand même, hein, quand on voit qu'avec Desperado il gagne 1 et en Renan ben, il paye 1, du coup en fait tous les tours il va venir piocher dans le contre NOH, Desperado, voilà, donc il pioche. Mais alors là par contre, du coup il a rien eu, il n'y a pas eu de projet alors sur Nexing, parce qu'il n'est pas revenu, je crois. Bah, visiblement non. Ouais, c'est alors, soit il s'est dit. Je sais pas, sauf s'il y a un APD, du coup il veut pas le prendre, mais après je vois pas pourquoi il serait pas revenu, ça coûte 1, enfin ça coûte 0 avec des SP, donc. Enfin ouais, je. Alors est-ce que Newf tente le mode glacier en NEH? C'est une possibilité, hein. Non, c'est vrai que c'est. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a sur ces remote serveurs, parce qu'on sait que c'est le corroder. C'est tant que. En plus, il y a Desperado, il pourrait être checké quand même, parce que bon. Ah, il prend pas de risque, peut-être. Apparemment, ils se connaissent quand même. Attention à la main. Il paraît qu'ils jouent en soi. Voilà, il va dans la main. Ça y est. Ouais. Ouh, 3 crédits. La pêche, molle. Allez, un petit astro pour le punir. Ouais. Oh là là, ça fait mal. Ça fait quand même mal. C'est pas le meilleur, mais ça fait 2 points. Et la PD, je prends l'agenda, je serre les dents. Je suis pas content. Hein. Ouais, mais Newf a qu'un crédit là, donc. Et puis tu vois, il y a la Cathy qui se charge. Ouais, et puis voilà, il y a la Cathy derrière, il y a Desperado. C'est un choix, est-ce qu'on le prend? Oh, c'est pas un TGB ça? Je crois que c'est un TGB, non? Quand il arrête. J'ai pas vu.
Non, mais il aurait pas eu un TGV. Il est bien Jackson, donc ah, c'était, là, bien Jackson, ouais. C'était pas mal. Ouais, cool. Mm-hmm. Alors, du coup, un indexing pas très. Qui a pas rapporté grand chose, quoi, dommage. Il n'est que partie remise, je pense. Ouais, mais un petit sum of things. Là, si tu regardes, le game il commence à être bien installé quand même. Il a Guardian Blade, il a le Corroder. Voilà, le Breaker Sentinel. Le Risk, c'est le Grim ou un truc comme ça qui pourrait le mettre mal. C'est vraiment une carte qui fait très peur en NBL, c'est le Grim, parce que du coup on s'y attend pas et on espère pas le voir, du coup on fait comme si, enfin on run, mais genre n'importe comment. Et là quand on tombe dessus, ça fait vraiment après, très je sais que c'est la partie s'éternise, du coup la bad pub du Grim, quand t'as autant de serveurs distants avec des cartes à tracher, du coup ça te pénalise quand même au final, enfin sur une partie qui dure en fait. Ouais, après, dans à l'instant T, du coup le Grim est fort parce qu'il trash la Guardian. Je sais pas comment il joue d'antivirus dans le deck, mais s'il trash la Guardian, ça l'oblige quand même à aller chercher le deuxième. Il a plus de Sterling. Non, c'est super fort. Ah, il est là le Nid. Et d'autant qu'il passait plus ni sur le R&D. Ah oui, je pense, ouais, s'il se prend un Grim et qu'il perd la Guardian, ouais, il est mal. Hein, ouais. C'est un peu. C'est... Il accède à la main. Oh là là, le mono accès. Ramasse tes dents. T'as pris la crédit, boum. C'est à ce moment-là où c'est vrai qu'au Newf parlait un petit peu moins. Ouais. Il gagne un, ok, paye un. Très bien. Ouais, c'est bien un TGBT. Oula, de toute façon, il peut se permettre de le prendre. Il a le Scorch en main, je crois, en plus, non? Il me semble qu'il a le Scorch. Bah, mais de toute façon, il a pas assez de thunes pour pouvoir faire deux Scorch et il est en 4ème clic. Smiling a une carapace, donc ça fait qu'il a pas de problème. Exact. Ouais. Après, par contre, il risque de perdre la Cathy. Là, ça va peut-être retourner la game. 5-1. Ouais, 5-1 et avec un strip, c'est moins bien. Il a le Scorch dans la main. On le voit, le petit Scorch. On voit le Scorch, il jongle avec. Prochain tournoi, on devrait mettre des GoPros sur le torse des mecs pour qu'on puisse voir leur main. Ce serait marrant. Là, moi je trash la Cathy direct. Hein. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Ah, parce que là, s'il en joue qu'une après, s'il a plus de Mister, il a plus de Cathy, par contre, il a beau avoir les blockers, ouais, même si on a une autre, le temps qu'il la retrouve, si elle est au fond du deck. Alors, par contre, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, il run sur le HQ gratuitement. Quoi. Il gagne des crédits à run sur HQ. Avec le pouvoir de Gabe, il paye en 4ème clic, il paye 2, en 3ème 3. Oh oh, salut le Scorch. Je pense que l'information était enregistrée. Je pense qu'à chaque tour, il va au moins une fois pour checker, même pour prendre l'info. Maintenant, il gagne un, il regarde une carte, potentiellement, ça peut être un projet. Oh, j'adore. Si j'aurais fait ça. Non, c'est pas mal. Mais il étouffe, étouffe économiquement. Ouais, mais Enigma, il le poste pour rien en 3ème clic, en 4ème clic, enfin pour 1. Ouais, mais si, ça fait perdre, mais ça fait perdre 3 crédits en fait complètement à New, du coup ça ralentit. C'est vrai, c'est pas faux, Enfin, ouais, non, c'est vrai que lui-même il va pas avoir trop d'argent. Ça peut être pas mal, non, c'est pas une deuxième score qu'il a tiré. Non, c'était un pop-up. Ah oui, il a vu. Ouais, normal, il a commencé à défendre la RD un peu. En plus, c'est pop-up, donc ça va être royal pour lui. Et bon, ça fait des runs qui coûtent quand même pas très très cher quand t'as un Desperado. Il commence à se détaguer, ou quoi. Si c'est pop-up Quandrie, ça va pas lui coûter grand chose, quoi. Ah bah voilà, bah ça va repartir économiquement. J'aime beaucoup cette carte, avant j'avais pas du tout, et c'est une carte que j'apprécie beaucoup. Bah ça remet bien, pour un crédit tu te remets bien quoi. Par contre c'est vrai qu'il est en match point là quand même, Newf il est déjà à 5, Smiling est déjà à 5 points. Donc c'est, après je vois pas trop si ça se trouve, il a peut-être rien dans la main. Ouais mais tu vois, attends, le run sur RD coûte pas grand chose, tu peux tomber assez facilement sur un Astro, sur un Bill ou même sur un APD quoi, tu peux... Mais après je sais pas ce qu'il a mis, il a mis quoi comme carte devant Bah pop-up, enfin moi je pense, enfin, j'ai pas vu, mais c'est vrai que c'est un pop-up. Bah il mise peut-être sur le fait que sur un Grim. Voilà, il va pas venir. Un Grim, Roto, il est mort. Ah bah voilà, bon bah là direct... Là, à mon avis, enfin. Oh, à poil, ça j'aime. Ah, putain, là. Ouais, donc là, ça vaut le coup de réserver l'Enigma. Ouais, je pense. C'est dommage qu'il y a un peu trop de soleil, on voit pas trop bien. Bah, non, parce que je pense que New veut garder de la thune. S'il reste l'Enigma, il n'y a plus qu'un crédit derrière, alors que là, il conserve à 4. Ah, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Je pense que s'il a. Non, c'est bien joué. Je vais le faire avec après, mais ouais. Donc, tout bon joueur qui se respecte. Peut-être qu'il veut garder justement pour la R&D. Il veut peut-être garder pour la R&D. Enfin, si c'est pas un pop-up, je sais pas. Je crois que c'est un Astro. Ah non, un close d'un coup, ça doit être un close d'un coup. Ah ouais, par contre, s'il reste tagué, ouais, il a. Ah, il a un bill en tout cas en main, il me semble. Non, mais si. Il pioche. C'est un TGBT. Ouais. Donc il a pris un crédit. Smiling qui est bien là, il a de la thune, les 3 breakers.
une carapace, un desperado. Non, mais il y a Jackson qui garde le R&D là, comme Gandalf là, là. du coup, il retourne plus là. Là. Jackson, là, vous passerez pas. Là. Du coup, il va plus du tout. You shall not pass. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que j'aurais retenu quand même. Mais moi, ouais, j'aurais retenu. Plus souvent sur la R&D là maintenant. Bah ouais, surtout que, enfin voilà, il avait 3 breakers. Il risque pas grand chose. Ouais, et puis ça peut lui faire gagner la partie quoi. De toute façon, ouais, ouais, enfin il est en match point quoi. Donc, il a un scoop, il a au moins un scoop et un TGBT niveau dans la main. Bon après ça fait deux projets, c'est pas forcément worth it, mais... C'est un scoop ou un build? Un scoop. Ouais, c'est détagué. Après moi je suis pas un grand fan des pop-up sur les remotes quoi, parce que ça coûte pas grand chose à... Non, faut les mettre sur les centraux, enfin, je pense. Enfin moi je trouve que c'est un peu... Ah bon, enfin il a une expérience... Ah ouais, c'est pas un Astro là, qui a pioché? Ah non, je sais pas du tout. Je crois que c'est Astro qui a pioché. Mais là, Jackson... Enfin, tu vois, il serait allé... Je dirais ça dépend, parce que... Ça coûte rien, ouais, sur la R&D, je comprends pas pourquoi il y va pas. Ça, si c'est un pop-up, c'est du coup 2, si c'est pas un pop-up, il a toujours la ferie. Le problème des pop-up, c'est que c'est pour eux quand même. Bah ouais, ouais, et puis de toute façon, j'ai presque envie de dire qu'il s'en moque un peu maintenant, parce que Newf a plein d'argent, donc tu vois, là par contre, il part sur le... Il va commencer à partir, je sais pas si c'est un Sansan ou quoi, mais... Ouais. Là, potentiellement, il peut se remettre bien, alors que s'il il avait mis plus de pression sur RLA, il aurait pu finir la game avant. Là, c'est Newf qui commence, là. Ouais. Il est déjà fini à son tour, il a dû faire plusieurs clics Jackson. Ouais. Ouais, c'est bon, ouais. Ok, donc là, c'est sans, tour je crois, de... j'ai cru au ouais, smiling. Je crois voir qu'il a un astro en main. Oh, il continue normal à charger avec Kitty. Ah, mais tu vois, là, à nouveau, il run jamais sur RLD, quoi. C'est... Mais ouais, forcément, c'est gratuit. Ouais. Est-ce que c'est peut-être même pas fait exprès, histoire de laisser est-ce que... Ouais, voilà. Est-ce non, parce que... Non, parce que... Est-ce que là... Mais non, mais là, il... Enfin, voilà. Non, mais je comprends pas. Là, il a plus que 5... Ouais, il aurait pu le faire avant, mais là, du coup, maintenant, il a plus que 5 crédits, ça serait free d'aller sur la R&D, je pense. Ouais, non, mais même avec 5 crédits avant, il même quand même... Ouais, 15, non, là, oui, il aurait dû y aller. Ouais, c'est le connaît. Bah, là, faut aller sur la R&D. De toute façon, la main, il peut toujours y aller, c'est gratuit. Oui, oui, ouais, ça coûte rien d'aller checker. Ah, il a chopé quelque chose? Non, non, ouais, non. C'est toujours gratuit sur la main, mais là, la R&D, quoi, putain, il a une fée. Ah, enfin. Bah, voilà. Ouais, bah, le pop-up. Deux, voilà, et puis il accède. Il gagne 1, donc ça lui coûte 2, ça lui coûte que 1 au final. Ah, oh, il joue ça. Ni... Oh, merde. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, il joue d'accord. Ça, intéressant. Ouais, c'est vrai que... Intéressant, c'est le mot poli pour dire what the fuck. Non, non, mais c'est vrai, enfin on le voit pas souvent, nous, dans nos decks. En tout cas, sur Bordeaux... Non, c'est pas... Il a fait quoi? Il a enlevé le tag, là. Ouais, forcément, le premier. Ah non, il est revenu, il a trashé la... Ah, ça, la ah oui, il faut pas la laisser, non, non. Non, mais il a raison. Bah après, ça peut être pas mal de mettre un TGBT et Bernice May sur... Enfin, bah, le mec vient en troisième clic, il prend deux tags et puis bah, il... Ouais, il la merde. Je sais pas. Bah, de toute façon, à nouveau, ça doit être une bonne carte, j'imagine. Enfin, je sais que c'est une carte qui est sympa pour 0, tu peux filer un tag. Ouais, ouais. C'est sympa, mais après, l'espace deck est quand même serré. Ouais, c'est ça, voilà. Ça rentre en compétition avec d'autres cartes. Bah, avec Mid-Season, pas avec. Enfin, je sais pas, après, faut... Enfin, tu vois, bon, le truc qui file des tags. On est en train de faire un super montage de la mort là. On est en train de changer vidéo parce que vu que c'est des vidéos qui ont été prises avec un appareil photo, du coup la mémoire est vite prise. Alors du coup on est en train de charger la nouvelle vidéo. Ah c'est bon, c'est reparti. Ah, c'est reparti, moment. Voilà. Oh, ah, putain, il a deux carapaces. Non, oh là, il y a deux carapaces qu'on a perdu, voilà. On a raté quelque chose. On a raté une partie de la partie. Ah, il y a une nouvelle Cathy d'ailleurs, parce qu'il y a 4 ouais. Jetons. Ouais, à mon avis, je pense qu'on a dû rater un ou deux tours. Un tour, je pense. Bah, au moins, pas même plus, parce que si la Cathy, elle était morte, la Cathy, non, il avait continué, il avait une nouvelle Cathy, commençait à la charger. Non, il y en avait deux tout à l'heure, je crois, il me semble. On a raté un ou deux tours maximum, je pense. En tout cas, les points d'agenda, ça n'a pas bougé. Non. On voit de moins en moins le board de Smiling. C'est le soleil qui se lève sur la boutique. Ah oui, et puis on est à Bordeaux, c'est vrai qu'on est très connu pour notre soleil et pour nos plages ensoleillées. Destination de rêve pour toute personnalité qui se respecte. Bon, du coup, la partie s'enlise un peu, il se passe rien. Mais il récupère Cathy, donc là il prévoit de faire des choses, j'imagine. Mais là, c'est fou quoi, parce que s'il a un Seymolting, il peut refaire un indexing. Alors il a peut-être encore un Jackson, mais il peut lui le. Ah bah oui, il a encore Jackson, tu vois, mais il peut. Ça serait que piocher comme ça une carte par une carte. Je sais pas, ça peut faire mal. Je sais pas, il a peut-être RD. Enfin, au bout d'un moment, il va forcément tomber dessus quoi. À raison de one sur RD, je comprends pas qu'il y aille pas. Oh. Ah bah dis donc. Ouh là, il a 6 points du coup. Ouais. Ouais, je sais pas là, trop là, ça va devenir un peu tendu pour Newf.
Bah, à la moindre erreur là, c'est terminé. Bah ouais ouais, mais de toute façon. Bah, je comprends pas. Enfin moi je comprends pas pourquoi il run pas les valets. Oh, oh, oh là, la 5... marmotte Sansan. Ouais. Là du coup ça devient serré là. T'as, t'as envie de te dire, là tu te sens un peu con quand même, hein, parce que t'es obligé de tracher à Sansan. Ouais. Et là mais même dès qu'il chope un agenda c'est fini quoi. Bah, donc là il faut pilonner le R&D et la main, ça va être serré là. Là il faut le legwork et pilonner le R&D. Hein. Ah ouais, ça sert à rien de la tracher la Sansan. Bah oui oui, si elle le jeton ça astro. Enfin astro. Ouais, sauf s'il avait un APD. Non, non, parce qu'il a, il a Jackson en table. Il peut faire un clip pioché et du coup il peut être sûr de scorer. Ouais, ouais, c'est pas faux, ouais, c'est pas faux, mais. Mais je pense, ouais, je pense qu'il faut aller sur la R&D. Voilà, voilà, très bien, faut, c'est ce qui est faut fait. Checker. Ouais, mais là. C'est vrai qu'il a pas fait un legwork depuis le début. Ouais, il faut tracher le Jackson là-dessus. Ouais, ça, il a pas eu de carte de multi-accès en fait. Ouais, c'est dommage, à part le indexing. Mais il ouais. C'est quoi, je serais même dû tracher le Jackson en premier et après le R&D. Parce que si jamais il mélange Jackson et que par chance il pioche un agenda, là tu te sens vraiment con. Donc là il vient dans la main. Très ouais, mais de toute façon il pouvait pas sortir son agenda, j'ai t'as autant de chance qu'après à mélanger, je sais pas. Enfin, moi je sais que j'ai eu la même problématique contre contenu. Enfin, moi il me fait il run R&D, il regarde deux cartes, mais je les connais pas, alors je sais pas si je le laisse accéder ou si j'ai Jackson pour mélanger, tu vois, j'ai autant de probabilité. Mm-hmm. Ah mais non, je suis bête, hein, parce que j'aurais rajouté des cartes. Ouh, petit scorch. Bon, on s'en fout, il on a les carapaces. Oui, puis il est équipé, Smiling. Ben il s'est traché. Hop là c'est détagué, très bien. Et du coup c'est autour de Newf je pense là. Allez les gars, ouais voilà, là, alors là si jamais par chance. Ouais parce que je pense qu'il avait jeté des agendas je crois, non. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment dommage hein, parce que là il a dominé et là si par chance il pioche un agenda from the top, un peu à la Yu-Gi-Oh quoi, et là ben, c'est game quoi. Et du coup, tout simplement parce que les runs n'ont pas été faits dans le bon ordre, si je peux me permettre de dire. Ah, et puis pas trop de multi-accès aussi, quoi, ça manque un peu. Ouais. Ah, je suis en train de montrer sa main, je crois qu'il là, c'est pour dire oui, voilà, il a 4 cartes. J'ai perdu avec ça dans ma main. Ouais. Alors, allez hop, là, on voit le petit Bill. Alors, Alto, hey, il est en train de tricher là. Tu penses qu'il la garde en haut? Ah, il le met en bas. Exprès, ah, il est en train de le faire remonter. Il est en train de le faire remonter. Ça shuffle, Newf, ça shuffle. On t'a vu. Espèce de petite coquine. Ah, le magicien, ah, magicien qui est là, c'est le pic qui pioche. Oh, il est là. Ah, non, ah, ça troll. Mais il y a une carte qui reste là, c'est quoi ça? Il a pioché, rien du. Wall of Static. C'est quoi ça? C'est un remote serveur très très remote, il est dans le ring du joueur. Ok. Il pioche. Ah, c'est normal. Ça compte, ok. Et il pose une carte. Non, je pense pas. Non. Si, si, il a posé une carte, mais ça se trouve, c'est juste un compte marqué ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Du coup, il est un peu obligé de venir voir, il gagne de la thune. Mais là, faut venir pilonner le R&D, là, Smiling. Hein. Faut rater les conneries, là. Mais il n'y a pas de crédit pour l'instant. Ouais, ouais. Donc, mais ça lui coûte rien. Ça lui coûte rien. Ouais, non, mais il faut au moins qu'il prenne un clip au crédit. Ouais, après, je pense qu'il va faire, ouais. Ouais, c'est un truc trashable. Ah, le problème en plus, c'est qu'après, mais t'as trop il a de pression. Pas d'argent. En containerage, t'as trop de pression et du coup, tu peux plus te permettre de piocher, tu peux plus te permettre de t'installer bien et tout. Donc, poser les RDI et tout, et c'est là où ça manque quoi. Ouais. Ouais. Ouais, tu vois, j'ai acheté le Hermitage, très bien. Ouais, mais il a déjà un Hermitage en fait de. Attends, il est pas venu vérifier ce qu'il y avait dans l'autre serveur là. Puis, tu dis que c'est peut-être un APD. Bah, pas forcément. Putain, ça se trouve, c'est un APD vu qu'il a plus pas d'argent. Ah ouais, c'est la PD, dans tous les cas elle aurait rien pu faire parce que là il n'y avait pas de thunes. Bah si, il aurait pu faire 3 crédits, je retire. Après je sais plus ce que c'est la carte après le pop-up. C'est un Lotus Field. Ah oui, ouais non, donc pas... on voit Newf qui est en train de forcer sa pioche. Bah Newf pourrait pas plus courir. Il force sa pioche pour, je pense, topper l'agenda et le cacher dans sa main. En espérant que Bandit ne joue pas de multi-access sur la main. Du coup comme ça lui permettrait de faire... Mais c'est dingue hein, parce qu'il prend l'indexing, c'est fini quoi. Ah bah ouais, là il y a une. En plus, il est déjà dans la poubelle, l'indexing. Ouais, mais. C'est juste une same holding quoi. Je pense de toute façon, enfin, Newf a pas. Oh putain. Wow, là, Newf a pas tellement le choix, parce qu'en fait, je pense qu'il a pas de glace. Du coup, il peut pas plus défendre sa R&D que ça. Donc en fait, lui, il essaie justement de poser plein de cartes pour endormir Smiling en essayant, ben viens, on est là, et tout, parce qu'ils sont en match point. Mais ouais, du coup, enfin, en fait, il gagne du temps quoi. Mais il n'y a aucun intérêt à runner sur les remotes, parce que de toute façon, soit il gagne, soit. Ouais, mais s'il fait une marmotte. Oui. C'est fini, il a le jeton astro. Ouais, mais si c'est un APD.
qui te fait marmotter un APD et poum, DJ quoi. C'est vrai. Tant que Smiling en plus a pas beaucoup d'argent, il peut peut-être se le permettre, tu vois. C'est vrai, non, tout à fait. Oh, oh là 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 là, oh là, ça sent la fin là. Troisième Jackson de la partie quoi. Sentez le mono accès qui va arriver sur la main. Ouais, tout. Donc là, là je pense. Hein, on a trois agendas pour nous et je crois et quatre pour Smiling. Du coup, je pense que le quoi, ça joue combien d'agendas les NBN 11 non Bah avec des deux TGBT, je crois que ça passe à 12. Il doit avoir deux scoops de TGBT. Ouais. Donc, du coup, il reste quand même pas mal. 3, hein, ouais. 4, 7, il y a 5 agendas. Deux NAPD, je pense. Il reste 2 NAPD déjà au moins. Ouais. Il reste un bill, 2 astros. Il est prêt à faire de la thune, très bien. Je pense que, à mon avis, je pense qu'il a son agenda. Ah bah là, il a dû piocher. Enfin, là, il y a toute forte chance qu'il ait pioché. Donc je pense que soit il va. Avec un peu de chance, même, il se trouve, il y en a eu 2, il va pouvoir. Obligé à runner dans la. Bah, là, ce que peut faire Bandit, il run sur la RD. Il va voir Jackson. S'il n'y a pas d'agenda, il va voir Jackson. Ouais, mais non, parce que. Enfin, à moins qu'il n'en ait pas mis dans les archives. Je sais pas. Sinon, il tente au moins un mono-accès sur la main, et puis. Puis voilà. On verra. C'est marrant parce que là, on aurait pensé que la partie aurait été pliée en quelques minutes. Ouais, ouais, ouais. Il était bien. Mais surtout, Newf était pas très bien au début, et puis là, il y a eu un bon retour. Bah, la deuxième, et bah, du coup, il se retrouve dans une très bonne situation. C'est très, très, très bon, ouais. Ça lui permet de garder son jeton astro. Le scoop scoré en début de partie, bah pareil, ça lui permet d'avoir le petit point finisher dès le début. D'ailleurs là en plus il se relève pas quoi. Il reste à 4 crédits grand max. C'est assez délicat. Et à chaque fois, il a de l'argent pour le NAPD. Ouais, mais que du mono accès quoi. Ouais, ouais. Je comprends pas qu'il ait pas de legwork ou qu'il ait pas de. Et non. Ouais, mais c'est vraiment l'outil-access qui lui a manqué. Hein. Ouais, bon, ouais, voilà, c'est GG. Ouais, c'est fini. Bah, pas de chance, hein, c'est dommage. Bah, belle remontée de Newf, hein, quand même. Ah, mais Aurélie. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Ah, j'espère, pas mal. Oh, le malin. Le deck vénéneux, comme il appelle. Non, mais c'était pas mal. Après, c'est dommage, je pense qu'il est pas assez runné. Ouais, je pense qu'il y a. Ouais, peut-être, ça aurait été payant de runner plus souvent sur la R&D. Et puis piocher peut-être. Ouais, puis voilà, ouais, le fait de RD, pas avoir de multi-access. Ouais. C'est vrai que contre NEH, c'est important. Ouais, il n'y a aucun legwork qui est passé. Tu lui fournis une thune monumentale avec les pop-up et tu profites pas suffisamment. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il voulait pas aussi trop runner sur la RD. Peut-être qu'il s'est dit, je vais donner trop d'argent à New. Ouais, mais t'as de l'argent qu'il a, New. Ouais, mais bon, je sais pas après. Genre quand t'es en match point comme ça, enfin, je sais pas. D'ailleurs, c'était les semi-finales ou les quarts de finale, c'était, je crois. C'était la première partie. Ouais. Donc là, du coup, Newf part avec une victoire et Smiling avec une défaite. Et donc ensuite, Smiling va rencontrer The Pit et Newf, je ne sais pas qui va rencontrer Newf. Ben, un de vous, non, je pense. Du coup, il va. Non, mais je crois. Je sais plus du tout qui va rencontrer après. Je sais pas. Enfin voilà. Bon, bah écoutez, bon, là, c'était une partie bien sympa. Et puis bah, on se retrouve pour une autre partie commentée de l'Open Bordelais. Alors voilà, les gars. Bah, à plus. À plus. À plus.